Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Diamond Painting. Oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas repris mes DP. Et du coup, ben, je me suis remis sur une petite toile parce qu'en fait, j'étais sur une très très grande, beaucoup de noir. Et ça m'avait un peu... Enfin voilà quoi, j'avais plus trop envie d'en faire. Et là, ben, comme j'étais un peu fatiguée, je me suis remis au DP. Mais j'ai pris une petite toile. Donc j'ai pris, voilà, celle-ci. Donc j'en ai déjà fait une comme ça. Du coup j'en ai offert une à ma maman parce que bah, avec le confinement et tout, elle s'ennuie un peu. Donc du coup je lui en ai donné une. Je lui ai donné la dans le même thème la Reine des Neiges. Donc bah voilà, dès qu'elle pourra la commencer, bah, elle la commencera. Donc je me suis installée sur ma table de salle à manger. Donc ici vous voyez, voilà, j'arrive des courses. C'est le pain d'épices, ma fille vient demain, donc voilà. Dans cette petite boîte, donc j'ai juste les couleurs qu'il me faut pour ce DP, voilà. Donc j'ai le petit stylet, voilà, comme ça. Ici dedans, bah, j'ai mis la cire, voilà. J'ai mis toutes les cires que j'avais reçues, voilà, dedans. La petite coupelle qui est indispensable, la petite pince et du coup toutes les couleurs dont j'ai besoin et le masking tape, washi tape, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Que j'ai mis tout autour pour pas coller mes petites manches. Voilà. Donc, je vous montre un peu. J'ai commencé à mettre mes décos de Noël. Donc, je scrape avec mon petit lutin que j'avais fabriqué l'année dernière. Enfin, ça, c'était la matrice parce que c'est une vieille chaussette. Et voilà. Bah, d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu vite fait de loin. Et derrière. Voilà, bon, c'est pas allumé non plus. J'ai fait aussi un petit peu de ce côté-là. Mais j'ai pas encore beaucoup fait. J'ai pas mis le sapin. J'attends ma fille demain. Donc voilà, là, si vous regardez bien, j'ai une grande tablette lumineuse. Voilà, c'est du A3. Mais comme j'ai une petite toile et que ma A4 ne fonctionnait plus, c'est pour ça que j'ai acheté la A3. Donc quand je l'allume, voilà, j'ai cette partie-là qui, ben, au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux. Bon, elle veut pas s'allumer plus. Bon, elle veut pas s'allumer plus. Donc, je prends un petit torchon ou une feuille, vous faites ce que vous voulez. Et vous voyez, je masque ce côté-là, ce qui fait que eh ben, ça fait nettement moins mal aux yeux. Voilà. Donc, vous avez vu, je l'ai quand même pas mal avancé. Je l'ai faite, pour l'instant, là, je l'ai faite en... Ça fait 2 jours que je suis dessus. Voilà, et là je pense que je vais faire ce carré là, mais j'ai vu sur une chaîne de DP où ils font une sorte de calendrier de l'avent de DP, donc je vais aller en chercher une toile et la préparer en 24 cases pour pouvoir le faire aussi. Je trouve que c'est sympa de faire un calendrier de l'avent comme ça, je connaissais pas du tout et ça m'a bien donné envie. Donc voilà, ben, je vais aller la chercher et préparer tout ça. À de suite. Eh bien, le voilà terminé. Moi, je le trouve super joli. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là, Pix? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, moi, je le trouve très joli. Il va falloir que je le taille. Je vais essayer de mettre du vernis en bombe pour voir ce que ça donne. Et puis, ben, voilà. Voilà, voilà. Et il était super sympa à faire. Donc, pour un rappel, donc c'est de chez Home Fun. Les diamants sont super bien taillés. Franchement, nickel. Il n'y a pas de rivière, pas d'espace. Vous voyez, il donne vraiment bien. Il brille super bien. Et voilà. Bon, j'oubliais, je vous mets le code si vous voulez commander chez eux, vous aurez 5%. Et voilà, c'est toujours bon à prendre, hein, on ne sait jamais. Voilà, et ben allez, je vous fais des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!